La Transat, voilà, de Transat. Mais pour l'instant, je trouve que Lucas est trop petit, voilà, pour y aller dedans. Donc voilà. Enfin, je trouve, il a perdu la tétine. Oh, il a perdu la tétine. Il a perdu la tétine. C'est pour ça qu'on râle, nous. Il a perdu la tétine. Oui, t'as perdu la tétine, mon fils. Tiens. T'as perdu la tétine. On a introduit la tétine depuis hier. Parce que ce monsieur. Parce que le pic de croissement a été très compliqué. Très compliqué. Et on a un petit garçon. On a un petit garçon. Un petit garçon, comme je vous ai dit au début de vidéo, qui s'énerve très facilement. Voilà, Lucas s'énerve très facilement. La tétine a été des solutions pour. Oups. Pour l'apaiser, hein, tout simplement. Je suis désolée, je suis un peu ailleurs. Apaisé. Voilà. Alors qu'il ah non, petit bohème. Qu'il ah non. Voilà. Là, je lui remets la tétine dans la bouche. Tiens, mon amour. Il est juste à côté, comme je vous ai dit, hein. Tiens, mon petit. Petit bohème. Bohème. Voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il a, mon petit bonhomme? Hein? Eh oui. Qu'est-ce que t'as, mon petit bonhomme? Compliqué, hein. On a un petit garçon, comme je vous ai dit au début de vidéo, qui s'énerve très facilement. Hein? Mon petit bébé, tu veux pas dire bonjour aux abonnés, je suppose. Hein? Un petit garçon. Vraiment, Lucas, il s'énerve vraiment très très facilement. Voilà, il s'énerve très facilement. Alors que sa sœur, elle s'est même pas énervée, mais lui, tu t'énerves facilement, mon cœur. Mais oui, un petit garçon qui s'énerve très facilement. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Petit bonhomme. Petit bonhomme, il est vraiment. Il est tout petit. Si petit. On a dû racheter du 1 mois. Voilà, on a dû racheter du 1 mois pour ce petit. Parce que au niveau des vêtements, parce qu'on avait prédit un petit bébé de 4 kilos. Et finalement, il n'est pas encore aux 4 kilos. Là, il a 3 semaines, c'est une petite crevette. Voilà, c'est une petite crevette encore. Qu'est-ce qu'il y a? T'as roté? Hein? Il pleure vraiment très facilement, même si je l'aime de tout mon cœur. Mais il pleure, c'est un truc de fou. Eh ouais, on pleure, non? Eh oui, on pleure. C'est vraiment tous les jours comme ça. Malheureusement. Mais on n'a pas le choix, hein. Je dois m'occuper de lui maintenant. Voilà. Donc.
Donc voilà, petite crevette encore. Donc voilà, je vous ai pas montré aussi, mais quand j'ai fait les courses, je me suis acheté un repas. Donc je vais vous montrer. Bon, c'est dans un bol, hein, mais voilà en gros. Je me suis acheté un repas. Si ce bébé d'amour, c'est Lucas. On n'est pas encore aux 3 mois, hein? On n'est pas encore aux 3 mois. Bon, mais pas encore. Je vais manger, hein? Si ce monsieur veut bien me laisser manger, voilà, hein? Lucas, est-ce que tu vas bien me laisser manger ta mère? Eh oui, on n'est pas encore 3 mois, nous, hein? Pas encore. Et on sera bientôt aux 3 mois. Bah, mes journées sont vraiment très rythmées en fonction de lui. Oh! C'est quoi ce rot? Hein? Il rote? Bah oui. C'est aussi pour ça. Ben, je donne pas trop de nouvelles, hein, parce que là je dois pas travailler normalement, parce que bon, là je vous fais une vidéo et